Hey girls and guys, because on n'est pas comme ça ici, hein. Si tu veux te faire un max de bif en vendant tes vêtements sur Vinted pour pouvoir en racheter d'autres ou alors juste vider ton dressing, tu es bien tombé, donc keep watching. On va pas perdre de temps et tout de suite commencer. First step, je vais t'apprendre à booster un petit peu ton profil parce que c'est une chose très importante et qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc ton profil, tu vas y accéder genre tout à droite, you know, tu peux mettre modifier et tout. Et la première chose que tu vas faire quand tu modifies ton profil, c'est rajouter une photo de profil. Parce que ça permet aux gens de savoir que tu es une vraie personne, pas un arnaqueur, pas je ne sais quoi, je ne sais qui. Et c'est rassurant. Donc je te conseille de faire ça et dans la continuité de rajouter un de tes réseaux sociaux. Ce que je peux te conseiller, c'est Instagram parce que c'est le plus simple. En général, tout le monde l'a. En plus de ça, ça peut peut-être te faire gagner des abonnés. Donc on ne dit pas non. Ensuite, ce que je peux te conseiller, c'est, vu qu'il y a une description, de la remplir. Première chose à rajouter, c'est tes mensurations, donc ta taille, ton poids. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas, mais c'est un petit conseil. Et la taille de vêtements que tu portes en haut et en bas en général. Après, ce que je peux te conseiller aussi, qui est assez cool, c'est de rajouter l'endroit où tu vis. Parce que du coup, des gens peuvent te contacter pour des remises en main propres. Attention, n'accepte pas de remises en main propres de gens un peu bizarres ou quoi. Et fais-les toujours dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Parce que je ne veux pas que tu te fasses enlever à cause de moi. Mais les remises en main propres, ça peut être cool. Parce que Vinted se prend quand même une com sur les acheteurs. Et en plus de ça, il y a les frais de port. Et après, ce que je peux te conseiller, c'est aussi de rajouter une petite description. Par exemple, bah je sais pas, je vends régulièrement des habits parce que j'en achète un peu beaucoup. Et qu'en général, ils sont assez neufs parce que je les ai pas beaucoup portés. Enfin, un truc tout basique, vraiment, tu trouveras forcément quelque chose à dire. Et puis, bah tu rajoutes des petits emojis, c'est toujours joli. Et voilà, le tour est joué. Tu as un profil tout mignon, tout sympa. Deuxième étape. La plus importante, les photos que tu vas prendre pour Vinted. Donne tout ce que t'as vraiment, mets-toi à la place de la personne qui va acheter les vêtements et demande-toi ce que tu voudrais voir comme photo. Déjà, tu ne veux pas avoir une photo sur cintre parce que tu ne te rends pas compte de comment l'habit rend sur la personne et ça c'est un petit peu embêtant. Ensuite, tu veux voir une photo prise avec une jolie luminosité et ce que je peux te conseiller en plus de ça, c'est de prendre cette photo devant un fond blanc ou beige parce que l'application Vinted a un fond blanc. Et du coup tes vêtements ressortiront bien dans la continuité, genre sur le fond etc, ce sera plus sympa. Ensuite ce que je peux te conseiller pour prendre tes photos, c'est d'utiliser soit un grand miroir comme moi je le fais. Je prends mes photos comme ça je peux caler un petit peu les angles que je veux et tout, c'est assez pratique. Ou alors de prendre un trépied et une sorte de petite télécommande retardateur qui est super pratique. Je te mettrai le lien, tu peux en trouver sur Amazon. Moi j'utilise ça pour prendre mes photos mais pas genre les photos Vinted. Mais bref c'est hyper cool. Et quand tu prends tes photos il faut vraiment que tu prennes plusieurs photos parce que sinon tu vas recevoir plein de questions et ça va te faire perdre du temps et tout. Quand tu prends tes photos, prends une photo de face, une photo de dos, une photo de profil et aussi une photo de l'étiquette. L'étiquette ça suit un peu le fait de mettre un de tes réseaux sociaux et de mettre une photo de profil, c'est pour identifier le vêtement, prouver que c'est de la vraie marque et puis voilà. Et ensuite ce que je peux te conseiller aussi c'est de recadrer tes photos avant de les poster parce que personne n'a envie de voir tes gros orteils ou alors de voir ta grosse tête pas très coiffée ou je ne sais quoi. Mets vraiment le vêtement en valeur. Ah et aussi tu peux rajouter comme moi je le fais sur mes photos Vinted dans ton fond, une petite plante comme celle-ci par exemple, c'est celle que je mets sur mon radiateur. Ça rajoute toujours un petit côté mignon, genre un petit décor et we like. Ensuite passons à la création d'une annonce. Une fois que tu as toutes tes photos, c'est la partie la plus embêtante je dirais, mais en vrai quand t'as fait les photos t'as fait le plus gros hein, parce que franchement en général ça prend quand même un peu de temps. Je vais te montrer du coup grâce à un enregistrement d'écran comment je crée mes annonces, on va le faire ensemble d'ailleurs. Je te mets le petit enregistrement d'écran juste ici comme ça tu peux suivre. First thing first, on va sur vendre, après on va sur ajouter des photos, voilà, vous voyez pas ma galerie, je vais super vite, vous voyez pas ma galerie. Hop, du coup la première photo je veux que ce soit celle-ci, la deuxième celle-ci et la troisième celle-ci. Là j'ai pas pris de photo de dos parce que bah j'aimais pas comment ça rendait. Et du coup on va mettre un petit titre simple et explicite, robe Zara, elle est en velours on va dire. Ouh je sais plus écrire. Et on va mettre noir aussi parce qu'elle est noire. Je vais mettre très peu portée, en très bon état, ou comme neuf même. Hop, voilà ça c'est fait. Ensuite en catégorie on va du coup dans femme, vêtements. Dans robe, je dirais robe d'occasion parce que c'est une robe de soirée. Dans marque, en général du coup il vous suggère la marque si vous l'avez mis dans le titre, ça c'est assez cool. Donc c'est une robe Zara. Taille du coup c'est du XS. État on va mettre très bon état. Mentez pas sur ça hein, parce que franchement vos étoiles du coup elles vont dégringoler là, les petites étoiles des avis des gens et tout. Soyez honnête, s'il y a des défauts précisez-le dans la description. Les gens vous descendront pas au moins, genre ils vous mettront une bonne étoile et ils sauront à quoi s'attendre. Donc hop, j'ai mis très bon état du coup, en couleur noire, vous pouvez rajouter jusqu'à deux couleurs, bon je trouve ça un peu limité, prix sans les frais de port. Concernant du coup les prix, il faut que vous ayez un peu de jugeote.
soit votre vêtement il est comparable aux vêtements qu'ils vous proposent et du coup vous vous basez un petit peu sur les prix qu'ils mettent en pratique, soit votre vêtement il est un peu mieux, il a été très peu porté et du coup vous allez mettre un prix quand même correct. D'ailleurs le prix auquel vous avez acheté le produit vous pouvez le préciser dans la description pour que les gens y comprennent pourquoi vous vendez le produit à ce prix là. Donc moi je vais mettre 27€ parce que je pense la vendre à peu près 20€, mais les gens tentent toujours de chipoter, de négocier. Et dans le format du colis, mettez toujours petit parce que personne ne va jamais vérifier quand vous envoyez votre colis. Vraiment c'est terrible, ils en ont rien à péter, mais c'est cool pour les acheteurs parce que du coup ça leur permet de faire de grosses économies. Et voilà, et là je ne vais pas ajouter l'annonce tout de suite parce que autre petit tips, en fait il faut aussi se mettre à la place de l'acheteur à ce moment là. Vous quand vous allez sur Vinted, en général c'est le soir, genre quand vous vous ennuyez ou des choses comme ça, presque personne ne va sur Vinted dans la journée à part si vous recherchez une pièce spéciale. Du coup ce que je peux vous conseiller c'est de poster vos annonces entre 22h et 1h du mat. Vous verrez que vous allez vendre nettement plus. Moi je l'ai fait plusieurs fois et honnêtement le lendemain matin tu te réveilles, t'as au moins vendu 3 trucs, t'es trop contente, t'as refait ta journée. Donc c'était tout pour ce petit tips. Passons du coup au colis, puisqu'une fois que tu as vendu ton vêtement, il faut l'envoyer. Ça c'est un truc qui m'a longtemps embêtée, parce que je ne savais pas comment faire un colis, et du coup je n'ai pas vendu sur Vinted pendant au moins 6 mois, parce que j'avais peur de faire un colis. Genre c'est ridicule hein, je le sais, mais c'est pas grave, au moins c'est dit, c'est fait, voilà. Du coup pour le colis, ce que je peux te conseiller de faire, c'est d'abord d'imprimer ton bordereau d'envoi, c'est hyper simple, il t'est envoyé par mail. T'as juste à savoir te servir d'une imprimante and that's it. Pour le colis, moi ce que je prends en général c'est des boîtes à chaussures, c'est hyper simple, c'est résistant, au moins le colis arrive en bon état. Et sinon tu peux prendre du coup tes anciens colis que t'avais, genre des boîtes Amazon ou alors même des sachets s'ils sont assez résistants et que tu les scotches bien. Donc une fois que t'as ton bordereau d'envoi et ton contenant, tu prends ton vêtement qui est bien sûr lavé, plié, repassé s'il le faut et tout, qui est tout bien, tu le glisses délicatement dans ton petit colis. Tu vas venir mettre du coup le papier qui doit être à l'intérieur du colis. Ça c'est indiqué sur le bordereau d'envoi, c'est super simple hein. Donc tu viens le mettre dedans, ensuite tu fermes ton colis avec du scotch, avec tout pour que ce soit bien safe, que tu sois sûr qu'il s'ouvre pas. Tu rajoutes ton petit bordereau d'envoi. Si tu veux être extra, tu peux carrément le mettre sous une petite pochette plastique. Comme ça, il n'est pas mouillé. Je ne le fais jamais, mais tu peux le faire au cas où. Et ensuite, ton colis est prêt à être expédié. Tu peux aller le déposer du coup dans un Mondial Relais ou alors dans un Relais Chronopost. Tu trouveras ça hyper simplement, honnêtement. Je crois que Vinted te l'indique. Au pire des cas, tu tapes Relais Colis Mondial Relais et genre t'en trouveras plein à côté de chez toi au Chronopost. Et voilà, c'est super simple. Une fois que du coup ton colis est envoyé, ce que je peux te conseiller pour gagner encore plus de points, de petites étoiles et tout, c'est d'envoyer un petit message à la personne dont tu as envoyé le colis pour lui permettre un peu de suivre l'avancée des choses, des événements, tout ça, tout ça. Comme ça, elle sera rassurée, elle saura que son colis il est en route. Et en plus, chose importante, c'est que tu ne seras pas rémunérée tant que la personne n'aura pas reçu son colis. Et du coup, ça permettra à la personne en général aussi d'être un peu plus réactive, de te dire tout de suite « Ah bah tiens, j'ai reçu le colis, je vais le chercher là » ou « J'ai cherché le colis » et du coup de confirmer assez rapidement, et ça te permettra de récupérer ta monnaie rapidement. Et ça, c'est très très cool. Une fois que la personne a du coup confirmé qu'elle a bien reçu le colis, en fait l'argent qui était dans ta cagnotte en attente va être transféré sur ton compte Vinted. Et du coup, soit tu peux l'utiliser tout de suite sur Vinted pour acheter un petit peu, c'est cool, c'est eco-friendly tout ça, soit si tu veux mettre de l'argent de côté ou l'utiliser chez Zara, tu peux transférer l'argent vers ton compte, ça prendra 3-4 jours à arriver et puis voilà. Dernière chose qui selon moi est cool à savoir, c'est comment promouvoir un peu le fait qu'on ait mis en vente nos habits sur Vinted. Parce que avoir des followers sur Vinted c'est cool tout ça, mais en général on en a pas beaucoup au début. Et moi j'ai souvent utilisé Instagram au début pour promouvoir du coup le fait que je vende mes habits sur Vinted. Donc on va voir ensemble comment faire une story stylée pour montrer aux gens que vous vendez vos habits sur Vinted. Je vais vous mettre le petit enregistrement d'écran juste ici. J'ai sélectionné une photo que je trouvais assez stylée et voilà. Je vais mettre un petit gif. Gif ou gif, je sais jamais. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Un petit gif Vinted tout en bas, comme ça, ça attire un peu l'œil, c'est sympa. On va pas le supprimer. Hop. On va mettre, j'ai rajouté des vêtements sur mon compte Vinted. On va rajouter un petit cœur parce que c'est mignon, j'aime bien, voilà. On va sélectionner tout ça, on va copier. Bien sûr, vous le mettez en gras et italique, ce sera plus joli. Donc voilà, on a le... j'ai rajouté des vêtements sur mon compte Vinted. On va coller cette petite partie là. Moi j'ai envie de mettre ça de nouveau du coup en grand et en orange. Et en fait on va faire une petite superposition, ça va donner un petit peu de volume, c'est mignon tout ça. Et après on va mettre son pseudo Vinted. Vous avez totalement le droit de vous moquer de mon pseudo Vinted, honnêtement il est ridicule. Mais j'étais jeune, insouciante, tout ça. Donc en soi c'est pas gentil de vous moquer de moi. Et un moment de honte est vite passé en soi.
Donc je vais de nouveau le mettre en assez... Ouais, en vrai non, je vais le mettre en petit, mon pseudo Vinted. Et voilà, du coup votre story est prête à être postée. Elle est plutôt sympa, c'est simple, efficace. Et si vous voulez rajouter du coup un petit plus, vous pouvez rajouter votre lien Vinted dans votre bio Instagram. Moi je peux plus parce que du coup j'ai mon compte YouTube maintenant, mais ça permet de générer du trafic et honnêtement ça m'a fait gagner pas mal d'abonnés. Même les stalkers verront vos vêtements et puis voilà. Et bah c'est tout pour les conseils que je pouvais vous donner sur Vinted. Je pense que vous avez toutes les clés pour bien vendre vos vêtements. Moi en tout cas ça a bien fonctionné pour l'instant, j'ai que des bons retours, j'ai 115 abonnés, enfin voilà voilà, je vis ma petite vie tranquillement sur Vinted, je vends régulièrement des habits. Et puis, on se dit à bientôt. Bye!